Je me trouve rue Massabielle, devant l'ancien foyer Saint-Dominique. C'est ici qu'une équipe de la police a découvert une véritable plantation de cannabis. En arrivant sur les lieux du squat, ils tombent sur un individu et se mettent à sa poursuite, sans l'attraper. Néanmoins, ils découvrent aussi plus de 200 plants de cannabis. Ils sont tous détruits sur ordre du procureur de la République. De l'engrais, des sacs de terreau ainsi que d'autres produits chimiques sont découverts. Le suspect, quant à lui, a vite été identifié par les enquêteurs. Il se rend de lui-même au commissariat de police le lundi, et durant sa garde à vue, il a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Cependant, il a tenté de minimiser son rôle de producteur, prétextant que cette culture de cannabis était pour sa propre consommation. Du coup, faute de preuves de vente, il a été remis en liberté sans comparution immédiate. Le procureur de la République, Patrick Desjardins, l'a convoqué au mois de juin, où il comparaîtra sur reconnaissance préalable de culpabilité.